Et ouais, le lundi, c'est nouveauté dans The Big Gameski. On part dans quoi? Dans un concert de métal. Non, je rigole. Dans Doom. Non, je rigole. On part dans un FPS. Mais un FPS qui n'est pas encore sorti, qui est en preview. Et on va donc regarder ce que ça donne cette preview, si ça laisse envisager de gros espoirs et de belles satisfactions. Ou si au contraire c'est du gameplay éculé avec très très peu de choses intéressantes sur lesquelles on va vite éviter de s'arrêter. Bonne question. Il est très bien ce positron. Ah bah si, ouais, d'accord, faut tout déverrouiller, machin, patacoufin. On peut éventuellement choisir de se booster, de se buffer pour démarrer. Mais moi, je suis un vrai noob, un nature, un sans-goût artificiel. Et on va y aller comme ça, à la brutale. Donc on a accès aux deux premiers niveaux sur ce work in progress. Et apparemment, il y en aura minimum 5. Et chaque niveau se termine bien entendu par un boss. Bref, que du nouveau. Attention scénario, je vous laisse faire une pause sur la vidéo, moi j'enchaîne. Je suis pas là pour les scénarios. Ah, va falloir que je bascule le clavier en anglais. Hop, on va y arriver. Alors, ça, ok. Active un plan QER. Q. ER. J'en ai rien. J'en ai pas. Shift. Map sur le caractère, c'est moi. Ok. J'ai bien compris tout là. On y go? Ghost kill. D'accord, il faut pas que j'oublie que ça se fait avec Q-U Q-E-R. Je vais essayer de me rappeler de tout ça. Piou! Ah, mes deux boutons tirent. Ok. Bon, déjà on peut dire qu'il y a une bonne musique, de bon goût, puisqu'on est dans un FPS et qu'il faut bourriner. Oui, on peut faire du double saut, ce qui est bien. Et on peut faire du pas de triple saut. On s'en fout, je suis passé, c'est ce qui compte. Ah, des Terminators de partout! Idéalement, il faudrait que je puisse régler ma souris parce qu'elle va beaucoup trop vite. Oui, alors là, c'est pas la faute du jeu. Je l'ai lancé sur une babasse un petit peu énervée. Et du coup, j'ai ma souris qui bouge à vitesse grand V et aligner les ennemis, c'est pas du tout évident. Ok. Ça vous fait pas trop mal à la tête quand je bouge? Ça va, c'est ce qui compte. Je suis désolé, hein. Pourtant là je suis à fond. On va les laisser, hein. Et si je me mets là-dessus, ça fait quoi? Et si je me mets là-dessus, ça fait quoi? On sait tous très bien ce que ça va faire. Bon, pour l'instant on veut pas le savoir, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est bête et brutal. Problème, il manque peut-être un poil de finesse dans cette brutalité. Rien à faire avec ça? Non. J'ai une map.
Super, mais elle sert super à pas grand chose en fait. J'ai une caisse, une crate. Et ça, je sais pas ce que c'est du tout, j'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Alors, étrangement, par défaut, le jeu vous fait courir. Ce qui sous-entend qu'il faudrait à des moments aller doucement. C'est quand même super étrange. Je vais flinguer les idiots de service là que je n'ai pas fait. Yo les idiots! Alors le bouton droit ne m'active pas ce fameux mode secondaire. Ce qui est vraiment un gros problème du coup. Mais vraiment un très gros. Ah oui, bah là je tire avec le bouton droit comme on me dit et que dalle! Je vais être obligé de me les farcir comme ça les gars. Ok, il faut ramasser toutes ces cochonneries pour avoir quoi? Des bonus. Et des bonus pour quoi faire? Pour augmenter son bonhomme. Que ça devienne l'arme ultime du jeu. Ça m'a l'air ouvert cette fois là-bas. Alors c'est pas terrible, terrible engagé hein, pour ce Positronics. Alors je rappelle aussi que c'est pas une licence qui a les moyens d'un studio de développement qui sort des AAA et compagnie. Oh, je peux me faire imprinter des nouveaux trucs. D'accord, donc mes pouvoirs spéciaux, bah, il va pouvoir être possible de les crafter et de les accumuler via bonus, sonnant et trébuchant, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de jus ici, les gars. Vert, ça veut dire ouvert. Oui, parce que ça finit par. Ok, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? D'accord, il faut pas oublier de ramasser les matériaux derrière les ennemis qui tombent. Je vais en chier moi si j'ai pas accès aux damnées grenades qu'on m'a dit depuis tout à l'heure, mais à premier au début. Elles ont été promises, on me les doit. Elles sont à moi. Regardez ces énervés dans les. Ah sur les côtés là. Ah c'est quoi ça, j'ai pas vu. Ok, on va dire ça. Je vais les taper, je vais les taper. Ah non, je m'en vais. Je vais crever. Mais tant que je les ai pas tous bousillés, eh ben que dalle. Ah, le jeu laisse un goût de bizarre dans la bouche du coup. Parce que... C'est la totale. On ne sait pas si on va réellement s'amuser sur ce genre de truc qui invente rien, quoi. C'est joli, c'est rendu très propre, mais si le gameplay est à la ramasse totale, est-ce qu'on va réellement avoir envie de jouer à Positron X? Je pose la question. La réponse, vous l'aurez sûrement si vous essayez la démo. J'espère qu'elle sera disponible au moment où je mettrai en ligne cette émission. Si c'est le cas, je vous invite à regarder la description. Mais pour ma part, je m'en vais de ce jeu. Et je vous abandonne avec les playlists habituelles. La généraliste, celle des shmups et le bouton d'abonnement. Ciao.